Un bon réveil. La vie au domaine est assez calme. Regardez-moi ça. On a Gérard le pigeon qui s'est mis à la fenêtre. Souvent il est sur ma tête, mais bon, ça vous le savez. Mais sûrement déjà vu. Chiquegold le prêtre du village. Ce journal a pour but de présenter tous les animaux du domaine. Alors, commençons par la ferme. C'est l'animal le plus commun qu'on a. On a une petite poule, regardez-moi ça. Ça s'appelle Huguette. On me l'a donnée. Oh, elle bouge pas trop. Oh, elle aime pas ça. C'est une poule, quoi. Elle est là, elle pond des œufs. Ah, nous voilà. Voici le paresseux. Toujours pas de nom. Regardez-le. Il est sur l'arbre, tranquillement. Il ne bougera pas. Il reste là toute la journée, il bouge de temps en temps. Je l'ai assez isolé des autres. On va passer aux côtés de la forêt. Du côté de la forêt, on a aussi les écureuils. Normalement, ce que j'ai vu, il y en a un qui était descendu sur la maison du domaine. Regardez, il y en a un là-haut. Il y en a un juste là. Il a dû grignoter quelques petites noisettes. On va le laisser tranquille. On va pas l'embêter. Pour la suite du domaine, on va partir directement vers un endroit un peu plus tranquille. Voir qu'on aille un peu sur la route. Mais bon. J'aurais bien aimé vous montrer la dernière espèce que j'ai perçue. C'était les lapins à cornes, mais le problème c'est que ils sont dans un terrier. Et les lapins à cornes, c'est dangereux, donc je vais attendre qu'ils sortent. On a les escargots, pas de problème, ça, ils ont toujours été là, de toute façon, regardez-les. Et voici les couleuvres. Regardez-le. Sale bête. Ça mord cette saloperie, hein. Mais pour l'instant, je les laisse tranquilles. Ils domicilent proche de la pierre. Et enfin, un des animaux les plus importants, bah, un des plus rares de ce domaine. Un couple de loons, regardez-les. Tous les deux. Un petit couple de loons qu'on a réussi à avoir. Bon, c'est déjà un début. Là, la prochaine étape est on va dire, une espèce que je recherche depuis assez longtemps. On va la chasser dans ce rapport vidéo. Et vous savez quoi? Vous allez m'accompagner. J'espère que la chasse va être bonne.静かに静かに幕は切り落とし覚醒の夜明けに青い炎僕らは負けを知らない弱さを抱きしめ歩いた Hop! Allons-y! On a trouvé cette sale bête. Il paraît qu'elle traînerait là-bas. Hop hop hop! Regardez ça, j'entends ses cris. Je dois abandonner la Jeep ici. Ça a été bouché. Pas normal que ça ait été bouché. Bon. J'entends ces cris. Où est la bête? Oh, je la vois, regardez. Il y a des moisselles là-bas. Oh, le beau taureau, eh. Eh, c'est le taureau de Jade.
Un taureau chinois qui a plus d'imposant que la moyenne. On va essayer de s'approcher pour essayer de tenter de l'apprivoiser. Mais je suis pas sûr du résultat. Eh oh! Regardez-moi ça. Bon, il a l'air forme. Oula! Elle est violente la bête. Ah bon. Les trucs trichés n'ont pas l'air de marcher. J'ai cherché un truc qui est un peu plus imposant dans le coffre. Normalement, j'ai un gros, on va dire. Une sorte de gros pistolet à munitions lourdes. Les munitions sont anesthésiantes, mais bon, le petit pistolet fera rien, mon petit Magnum. Bon, on va chercher dans le coffre. J'espère que je l'ai encore. Hop là! Et voilà, bien trouvé. Avec ça, les 2-3 cartouches dans la tête, tu vas pas bouger. J'aime les bêtes, mais quand elles sont calmes. Une bête violente ne m'intéresse pas. Elle a bougé de son spot. Oula, elle a bougé. Je l'entends. Regardez-moi ça. Ce petit taureau de jade là. Eh oh, sale bête! Ah ouais, c'est à toi que je parle. Alors, tu te laisses apprivoiser? Oh putain! Voilà. Je pense qu'on l'a assez calmé. Hop! Oh putain, elle est lourde la saloperie! Oh putain! On va l'amener à la Jeep. Oh saloperie de merde! Ah jamais, ça fait longtemps que j'ai pas porté une bête aussi lourde! Oh putain! Allez! Oh, oh putain, c'est tout le gras qui bouge, c'est dégueulasse! Oh là là, c'est horrible! Regardez-moi ça! On a la vue sur autre chose qui m'est encore plus horrible! Putain de taureau de mes deux! Ah, ça me dégoûte! Hop là! Et hop! Ah, le voilà dans le coffre! Bon. Mais bon, voilà! Hop! On va tenter de faire le petit tour! Alors, fais gaffe aux fougères. Je vois un peu mal, mais bon, hop. Voilà, parfait. Hop, on va rentrer au campement. Hop là. Je vais décharger tout ça. Et on va en faire un bon petit truc. Regardez-moi ça, la belle bête. Je l'ai mis dans l'enclos prairie. Il est très bien ici. Regardez-moi ça, ce beau taureau de jade. Elle est magnifique, bête. Ça va, beauté. Oh putain, ça fait longtemps que j'ai pas vu une si belle bête. Regardez-moi ça. Magnifique. Il n'attaque plus, il est devenu calme. Une bonne bête, ça. Bon. C'était la première vidéo de capture de Shikyo. Il y en aura plusieurs. Faut pas capturer que des taureaux. Vous inquiétez pas. Bon, prochaine bête, je pense qu'on va le faire dans le même épisode. Pourquoi pas capturer les petits flamants roses? J'ai découvert un petit logement de flamants roses pas loin. On va y aller. Hop! Et voilà parti pour la route. Et pas plus loin. Oula, vous m'entendez mal, hein? Ça c'est le son 4x4. On m'a dit qu'ils étaient là. Regardez-les. Oh les belles bêtes! Ah bon, vous attaquez? Oula, sale bête! Allez, fais dodo! Vous allez faire dodo tous les trois. Tous les quatre. Merde. Ça va, ils tomberont pas plus bas. Ils vont flotter. Bon, je les repêche et on se retrouve enfin au domaine. Je vais vous montrer où on va les mettre, ces belles bêtes là. Hop, hop. Oh putain de broussasse. Regardez-moi ça là. Les quatre petits oiseaux là. Les quatre petits flamants roses.
Ils ont bien été, hop, entretenus, regardez-les. Et bon, je les mis dans le lac, pour que ce soit plus utile pour eux. Regardez-les, ces belles bêtes. Ils pataugent bien dans l'eau. Ah là là, charmante bête. Et bon, on va se laisser sur ça. C'était un épisode de Shikyu attrape des animaux. Vraiment, quel nom de merde. Shikyu le domaine, je sais pas, on verra. Bon, c'est fini, et à la prochaine, les petits potes.